Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo dont vous adorez regarder ces vidéos. Ce sont bien évidemment, les vidéos hauls. Donc aujourd'hui, c'est un haul multi-magasin. Vous allez avoir mes achats Sephora Gold, mes achats chez Shein, des achats Nose, Action et Stokomani que j'ai fait ce jour. Donc je voulais vous montrer tout ça, je me suis dit que j'allais tout réunir. C'est pas souvent que je vous fais des hauls Nose et Action. Donc je me suis dit que malgré le fait qu'il n'y ait pas grand-chose, comme il y a pas mal de magasins à vous montrer, ça fera quand même du contenu. Donc je vais commencer par Nose, mais en fait tout est un peu dans le désordre parce que j'ai tout posé à côté de moi. Je vais vous montrer des petits achats que j'ai fait. Alors aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'ai trouvé des petites pochettes comme ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est les genres de petites pochettes plastifiées. D'habitude, je les achète chez Action. Donc chez Action, elles coûtent 45 centimes. Là, chez Nose, elles sont à 89 centimes. Donc elles sont un peu plus chères, mais elles sont un peu plus épaisses. C'est pas le même délire. Donc j'en ai trouvé une comme ça. Très très belle. Celle-ci, je l'adore. Elle est incroyable. Trop jolie avec des motifs un peu astral. Celle-ci aussi qui est assez sympa, Be With You. Et en fait, quand je les ai trouvées aujourd'hui, ça m'a fait rire parce que j'étais allée chez Nose quelques jours avant cette semaine et j'en avais trouvé 5 autres. Donc il y a ces 3-là, les 2 autres, je m'en sers déjà. Mais bon, c'est pas grave. Il y a celle-ci aussi, donc c'est écrit Let's Be Fruit. Et il y en a des pommes, pas des pommes, des poires, du raisin. Si, il y a des pommes aussi et des fraises. J'aimais bien. Après, il y avait aussi celle-ci, Let's Be Fruit, avec des ananas et des citrons. Et il y a aussi celle-ci, Let's Be Fruits, avec seulement du raisin. Et elles sont quand même assez grandes. J'ai comparé avec celles de chez Action, elles sont plus grandes. Alors je vais vous montrer. Celles-ci, les roses, là, elles sont au même prix. Elles sont plus petites, vous voyez. Et là, c'est vraiment la dimension de celles de chez Action. Et celles-ci, c'est celles que j'avais trouvées lundi, qui ne sont pas dans la même matière non plus. Pourquoi j'achète ça, je vais vous expliquer. Je suis professeure des écoles, si vous ne le savez pas encore. Vous êtes tombé sur ma chaîne, sur cette vidéo, peut-être. Je n'ai pas encore de pièce bureau chez moi, parce que l'appartement n'est pas assez grand pour ça. Enfin, si, j'aurais pu faire une pièce bureau, mais à la place, j'ai fait une pièce dressing. Si vous me connaissez, vous le savez. J'envisage prochainement de déménager pour pouvoir avoir une pièce bureau. Donc, j'ai concocté dans un de mes placards des emplacements pour le boulot. Et en fait, toutes ces petites pochettes sont géniales parce que je range tous mes cours par matière. Donc il y a une pochette français, il y a une pochette maths, etc. etc. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que français maths, comme il y a plusieurs sous-parties, donc je vous fais un topo vite fait, mais on a grammaire, conjugaison, etc. Ça fait quand même des gros chapitres parce que je garde toujours mes originaux de photocopie, vous savez. Et je trouvais que j'en avais pas assez. Et donc là, j'en ai racheté beaucoup. Là, vous voyez, j'en ai 6. Et je me suis dit que c'était cool pour réorganiser mon boulot, même quand je mets des activités de rituels, etc. Je sais que par exemple je fais des comptes et bons avec les enfants, etc. Enfin voilà, je me dis que c'est plus simple pour moi de m'organiser par pochette. L'année dernière je mettais tout dans des classeurs et en fait je trouve que c'est trop pénible pour pouvoir retrouver des choses dont j'aurais encore besoin. Donc j'organise tout dans des petites pochettes comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple et ça me plaît beaucoup. Donc très contente d'avoir trouvé toutes ces nouvelles pochettes. Toujours chez Nose parce que j'ai pas acheté grand chose, je vais regarder dans le sac parce que j'avais pris un sac en toile. J'avais trouvé une pâte à tartiner, alors je la connais pas du tout, c'est une pâte à tartiner Cadbury, donc c'est au lait et au cacao. J'ai jamais testé la pâte à tartiner Cadbury. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus elle est bonne jusque février 2023. Donc on est au mois d'octobre, je trouve que ça va. Et j'ai payé 1,99 le pot de 400 grammes. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment donné. Parce que Cadbury c'est quand même assez cher en général. Donc voilà, j'étais très très contente de ça. Donc c'est tout pour mes achats Nose. Ensuite, j'ai des petits achats de chez Stokomani et le reste c'est du Action. Ouais, c'est ça. Donc Stokomani, je vais vous montrer vite fait. J'ai acheté, super intéressant, une bouteille de Coca. C'était 1,5 litre et franchement, elle était pas trop chère. Elle était à 1,40 €. Je trouve que c'est moins cher qu'en grande surface. C'est pas non plus incroyable la réduction, mais des petites réductions, ça fait du bien quand même. Donc j'ai pris cette bouteille de Coca. J'en bois vraiment pas souvent. En général, je bois que de l'eau. Mais de temps en temps, j'aime bien un petit Coca bien frais. Enfin, je suis plus team ice. Mais j'avoue que le Coca ça me fait plaisir. J'ai aussi trouvé du Cadbury. Donc c'est des barres au chocolat au lait Cadbury fourrées au caramel et aux éclats de biscuits croquants. Donc c'était 99 centimes les 4 barres. J'ai trouvé que c'était pas cher. J'en ai déjà vu chez Idestock et c'était plus cher que ça. Parce que oui, je suis une grande fan de magasins de déstockage, hein, que ce soit Action, Nose, Idestock, Magic Depot, tout ce que vous voulez, j'adore ces magasins-là. Donc voilà, je compare en général entre les magasins. Et là, ils sont bons jusque 8 février 2023. Donc pareil, c'était chouette. J'ai aussi trouvé, alors je connaissais pas du tout, j'adore le chocolat Côte d'Or. Et j'ai trouvé une plaque de chocolat comme ça, Côte d'Or Spéculoos. Et je me suis dit que ça allait être très très bon. Elle est bonne jusque décembre 2022, donc c'est plutôt pas mal. Et c'était 1,99 € la plaque, donc c'était pas donné. Mais bon, je pense que chez Carrefour ou Auchan notamment, je pense que c'est beaucoup plus cher. Donc je me suis dit que j'allais goûter ça. Et franchement, ouais, le chocolat Côte d'Or, ça fait partie des chocolats que je préfère avec les Cadbury. Donc vraiment, je pense pas être déçue. Ensuite, je vais passer aux achats Action. Après, je vous montrerai Sephora et je vais garder Shein pour la fin. Donc chez Action, j'ai pris...
Alors attendez, est-ce que j'ai gardé tous mes tickets? Ça c'est ticket Stokomanie, ça c'est ticket Action, donc ça vous servira. Alors, j'ai acheté, c'était combien ça? Les boules de Noël plastique, c'était 99 centimes. Alors, je sais, c'est pas du tout la période, mais je vais m'expliquer après. J'ai acheté une petite barre comme ça, de petites boules pour Noël. Donc, il y a 3 blanches, 3 argentées et 3 gris un peu plus foncés. 99 centimes, les 1, 2, 3, 9 boules. Donc, ça va, c'est pas cher du tout, ça fait genre 10 centimes la boule. Je les ai prises parce qu'en fait, mon sapin est aux couleurs rouge et blanc et un peu argenté. Et je trouvais que l'année dernière, il y avait beaucoup trop de rouge. Donc, je voulais rajouter un petit peu plus de couleurs comme ça et voilà. Alors donc pour me justifier, j'achète des choses de Noël maintenant parce que chez Action les choses n'arrivent pas en fonction des saisons. Par exemple, les trucs d'automne étaient là depuis août, les trucs de Noël sont là depuis octobre, fin septembre, et donc je sais que vers décembre il n'y aura plus rien et que tout sera déjà parti sur Saint-Valentin et Pâques. Donc je fais mes provisions avant et je m'en fiche si ça vous dérange à vrai dire. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris ça juste voilà, j'ai pas acheté des tonnes et des tonnes de déco de Noël parce que j'ai déjà beaucoup de choses, mais je trouvais qu'elles étaient pas mal et pas chères. Il y avait pas mal de coloris différents, elles sont assez petites, donc pour mettre en haut du sapin c'est plutôt cool. Après je pense qu'elles vont perdre un peu des paillettes, mais bon voilà, en plus c'est du plastique, je pense pas qu'elles soient en verre celles-là, donc bon, les boules de chez Action, franchement elles sont vraiment pas mal du tout, et voilà, ça fait l'affaire. Ensuite, pour rester dans le rayon Noël, et après c'est plus du Noël, j'ai acheté des petites suspensions comme ça. Alors oui, j'avais dit que j'avais trop de rouge, mais là c'est rouge et blanc. Donc c'est des petites cannes de sucre d'orge comme ça, que je trouve vraiment trop jolies. Je crois que c'était 99 centimes, ouais, pour une. Alors c'est un genre de velours dessus, je pense que c'est du polystyrène dedans, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais franchement j'ai trouvé trop beau. Ils sont grands hein, parce qu'ils sont ils font la taille de ma main, donc c'est quand même assez grand. J'en ai pris que deux et je me suis dit que dans le sapin ça ferait trop joli. J'aime bien un peu, c'est un peu kitsch, mais j'avoue que j'aimais bien, je trouvais ça trop mimi. Voilà, bon après j'ai pas pris tous les petits animaux et tout, même si j'avoue que les petits animaux me faisaient envie. Ensuite j'ai acheté, alors ça pareil je connais déjà et j'adore, donc c'est les Coloridos, donc c'est des petits biscuits fourrés au caramel. Alors je sais pas si vous êtes de ma génération, mais quand on était petit, je sais pas si ça existe encore, on trouvait ce genre de biscuits chez Aldi ou Lidl et c'était trop bon. Ma mère elle m'en achetait souvent pour le goûter quand j'étais à l'école primaire, donc j'en ai racheté et ça je les ai payés 1,49€, donc ça va. Et franchement j'ai déjà goûté, ils sont très bons. Il y a pas mal de petits gâteaux dans les paquets transparents comme ça que j'achète chez Action et que j'aime beaucoup. Donc je vous les recommande. Ensuite j'ai acheté deux paquets de chocolat. Alors il y en aura pour moi mais pas que. Donc c'était des chocolats Milka fourrés au daim en forme de petit œuf. C'était 1,99€ le paquet. Donc j'en ai acheté deux. Je vais vous montrer. C'est des chocolats un peu de Noël comme ça. En fait je les ai achetés parce que je dois en donner à mes élèves. Donc voilà, on avait fait quelque chose avec les activités physiques quotidiennes qu'on doit mettre en place depuis la rentrée 2022. Donc c'est-à-dire quand on fait un peu de sport tous les jours, je leur ramène des chocolats. Donc ça, c'est pour eux. Ensuite, j'ai acheté, alors ça paraît trop bon, j'ai acheté ça quand j'étais au lycée, donc ça m'a fait petite vague nostalgie. Donc c'était des chiquilines à 0,89 centimes, donc c'est des petits biscuits ronds comme ça, un peu sablés, et ils sont au caramel ceux-là. Avant je les mangeais au chocolat blanc et au chocolat, et là c'est caramel. Alors je sais plus du tout si j'avais bien aimé ou si j'ai déjà goûté, mais les autres je sais que j'aimais bien, donc j'avais trop envie de tester ceux-là. Et pour terminer, chez Action, alors c'est pas passionnant, mais par là où je vis, il givre assez facilement et il fait froid l'hiver. Donc en général, ma voiture, comme je n'ai pas de garage, est toujours givrée le matin. Et quand je vais au travail, c'est très pénible parce que je me lève plus tôt pour dégivrer. Mais bon, des fois, c'est pas suffisant. Et j'ai racheté tout simplement un petit spray comme ça de dégivrant pour voiture. J'en achète un tous les ans hein, parce qu'en général, il me fait tout l'hiver. Et puis voilà, celui-ci, j'ai jamais testé avant. J'ai toujours eu en spray type bombe aérosol. Donc là, celui-ci, j'espère qu'il fonctionnera aussi bien. Donc bon voilà, je pense que ça va être pas mal quand même. Je crois que, je sais plus si je vous ai dit le prix, mais je crois que c'était 1,59 ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et du coup je passe aux achats Sephora. Chez Sephora, vous allez voir qu'il s'agit d'une sélection de produits que j'aime énormément. Donc déjà pour commencer, j'ai repris un sérum The Ordinary au niacinamide et au zinc. C'est mon sérum que j'utilise tout le temps. Il est presque terminé. En backup, j'ai un autre sérum que j'avais eu dans une box. Et après, c'est tout. J'ai enfin terminé tous les sérums. Donc j'en ai repris un parce que celui-ci, il me fait vraiment toute ma vie. Il est incroyable. Il empêche vraiment ma peau de bourgeonner dans les pires moments, n'est-ce pas? Donc je l'aime beaucoup. En plus, avec les 25% de gold, ça m'est vraiment pas revenu cher. Parce que c'est un sérum qui coûte pas très cher. Je crois qu'il est aux alentours de 5 ou 6 euros.
J'ai acheté, alors celle-ci je la connais pas, je sais pas si vous savez, mais depuis très peu sur Sephora, ils ont acquis des produits de marque de parapharmacie. Et donc là, il y avait la marque Aven, et c'est une eau micellaire pour peau grasse à imperfection, donc qui nettoie, démaquille et matifie. Donc c'est un 100 ml. Voilà, donc comme je la connais pas cette eau micellaire, je me suis dit que j'allais la tester. Ma foi, elle a l'air plutôt pas mal. J'espère qu'elle va me convenir en tout cas. Mais c'est un petit format, donc voilà. J'ai aussi repris, alors ça va pas vous surprendre, mon shampoing solide préféré de tous les temps. Donc c'est de la marque Respire pour tout type de cheveux. Et celui-ci, c'est au parfum lait d'amande parce que je l'adore énormément. Et vous voyez, je vais vous le montrer parce qu'à chaque fois, vous voyez la boîte du produit terminé. Mais c'est un gros savon hein, quand même. Enfin, il est très très gros et il fait combien de grammes lui? Je sais plus si je vous l'ai déjà dit ça, mais ça fait toujours un gros truc. Il fait 75 grammes. Donc voilà, en général, moi je dure plusieurs mois avec ça. Normalement il coûte 10 €, donc avec les 25% ça valait le coup. J'ai payé genre 7-8 €. Donc vraiment très contente de l'avoir acheté. Je me suis repris un pinceau 231 de chez Zoeva. J'en ai déjà 2 ou 3 et franchement j'adore ce type de pinceau. C'est le pinceau que j'utilise le plus pour mettre dans le creux de paupières. Et j'ai profité des 25% Sephora évidemment pour le prendre. Donc c'est le Detail Crease Definer. Et franchement voilà, il est très très bien. C'est des pinceaux qui sont vegan si jamais ça vous intéresse. Et j'étais trop contente parce qu'il m'en fallait un. Et pour terminer, ça je n'ai jamais testé encore, enfin si, j'ai d'autres teintes mais j'ai pas encore testé celui-là. J'ai pris un Dazzle Stick de chez Kat Von D, donc c'est, enfin KVD Beauty, c'est la nouvelle collection, donc elle a sorti des rouges et des verts. Et donc là j'ai pris la teinte verte, donc c'est le Green Flash 50, comme ça, et c'est un vert tout pailleté. J'ai déjà deux autres teintes et j'aime beaucoup, donc voilà, elle se présente comme ça, elle a l'air incroyable. Je me suis dit que pour les fêtes de fin d'année ça avait l'air trop trop joli. Donc ce sont des fards à paupières en stick qui sont tout pailletés, je vais vous montrer, comme ça, il a l'air trop trop beau. Donc je vous invite à me suivre et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous voulez voir ce type de produit sur moi du coup quand je vais le tester. Ou n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, pourquoi pas, parce que des fois je poste mes make-up, donc voilà. Et je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu en tant que gold du coup. Alors j'ai eu un petit fard à paupières de chez Sephora, donc c'est le Metal Effect Colorful, c'est le numéro 09 Go Green, donc c'est un genre de vert, bleu, il a l'air très joli, donc franchement super beau. J'ai trop trop hâte de l'essayer parce que c'est le genre de teinte que j'aurais pu totalement acheter, donc vraiment cool. En plus ces fards là ils sont très très bien. J'ai eu un petit échantillon de la brume fixante setting spray Fix Plus Prep and Prime de chez MAC, donc je suis trop contente parce que j'ai toujours voulu tester. C'est quoi, c'est combien de millilitres ça? Il y a 2,5 ml. Donc comme j'ai toujours voulu tester ce petit spray fixateur de chez MAC, et ben voilà, ce sera le cas de pouvoir tester. J'ai eu une gelée nettoyante de la marque Rafraîchir, je pense, ou On the Wild Side. Donc c'est avec des plantes sauvages bio et naturelles. C'est EcoCert Cosmos Organique, ok. Et on a 15 ml. C'est un produit un peu rosé. Donc comme ça, je connais pas, donc je suis assez contente. Et j'ai eu un produit de la marque Paille, mais je crois que c'est un produit qui me correspond pas, faut que je regarde. Donc c'est un produit, c'est une crème hydratante de la marque Paille. Donc je vous la montre, il y a 10 ml. Donc c'est à l'avocat et au jojoba, et je suis pas sûre que ça aille sur ma peau, je crois que c'est pour les peaux sèches. Faudra que je vérifie, c'est pas écrit, mais c'est pour les peaux sèches, je la donnerai à ma maman, j'en avais déjà donné une comme ça. Donc faudra juste que je lise un peu le descriptif, mais je crois que c'est plus pour peaux sèches, tout ce qui est avocat et jojoba. Donc j'irai vérifier sur internet. Alors c'est écrit This moisturizer is love and goodness for dehydrated skin. Donc c'est pour les peaux déshydratées. Ouais, donc peut-être qu'elle peut me convenir. Bon, je sais pas. Maman, si tu regardes cette vidéo, tu me diras si tu en veux. Sinon je la testerai peut-être. Et ensuite sur Shein, j'ai fait quelques petites acquisitions. Alors, j'ai repris un crayon à sourcils de la marque Shiglam. Alors vous savez, je vous avais vendu le dernier crayon à sourcils que j'avais acheté sur Shiglam. Donc j'espère que celui-ci sera aussi bien que l'autre, parce que malheureusement l'ancien je ne l'ai pas retrouvé. Donc là, il est comme ça. Donc c'est le Furthery Angled Brow Pencil, comme ça. Pas cher du tout, enfin en même temps c'est Shein. Et c'est la teinte Coffee que j'ai pris, parce que c'était la teinte que j'avais prise déjà la dernière fois. Donc je vais vous le montrer, j'espère qu'il va être aussi bien que l'autre. Parce qu'en ce moment j'en ai un de chez NYX, mais je sais pas si vous allez vous en rendre compte, je trouve qu'il est un peu foncé pour mes sourcils. Après bon, il y a ma frange donc ça se voit pas spécialement. En plus il faut que j'aille à l'esthéticienne, mais bon. Ouh, ah, il est tombé par terre, j'espère que ça a pas cassé la mine. Oh, il ressemble à celui de chez Benefit, donc il est comme ça. Donc j'imagine qu'il y a un goupillon quelque part. Ok. J'espère que... Non, ça ne l'a pas cassé. Oh, il est foncé, hein. Oh, quoique. Donc, il est comme ça. C'est un petit triangle comme l'autre que je vous avais présenté en produit terminé. Ok, ça, c'est nice. Et là, c'est le goupillon. Oh, pas mal du tout. Voilà.
Donc je vais le mettre de côté en attendant de finir celui de chez NYX du coup. Mais franchement, j'ai trop trop hâte. J'espère que la teinte, elle sera beaucoup mieux. Elle a l'air assez foncée, mais ça ira peut-être. Voilà. J'ai acheté un petit produit comme ça. Donc c'est un... Comment on appelle ça? C'est un petit objet pour éteindre les mèches de bougies. Vous savez que j'allume beaucoup beaucoup de bougies et très souvent. Et du coup, j'ai acheté ce petit produit. Donc c'était une couleur aléatoire. La couleur argentée me va très bien. J'en ai pris deux parce que ma mère en voulait un aussi. Donc il suffit juste de poser comme ça sur la mèche et c'est censé l'étouffer. Et je pense que ça va empêcher qu'il y ait cette fumée désagréable qu'on a lorsqu'on éteint une bougie. Donc voilà, je sais plus où poser parce qu'il y en a plein partout dans cette maison. Il y en a plein autour de moi. J'ai acheté deux petits sous-pulls. Alors je vais vous montrer. Enfin, c'est des sous-pulls ou des pulls à manches longues. Ils étaient à 5,99 mais moi je les ai payés moins cher parce que comme vous savez, il y a toujours des bons de réduction, des coupons. On a aussi des points lorsqu'on met des commentaires ou quand on se connecte tous les jours sur l'appli. Donc bref, vous ne payez jamais les prix que vous avez sur le site. Donc je crois que j'ai dû payer genre 4 euros l'article. Donc j'ai pris un petit sous-pull beige comme ça. Enfin crème en fait. Il est trop joli. C'est un tout côtelé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Tout côtelé comme ça, c'est pas du tout le genre de vêtements que j'achetais avant, mais en ce moment j'achète beaucoup de trucs unis parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de vêtements à motifs et du coup bah on peut pas mettre du motif en haut, du motif en bas, hein. Donc je me suis dit que j'allais acheter un peu de choses unies et puis même rien que pour travailler c'est pratique, hein, les trucs unis comme ça, faut se le dire. Donc voilà, donc avec un petit col un petit peu avec des petites vagues comme ça, c'est pareil au niveau des manches. Ça me fait trop rire parce que en plus je sais qu'il y a certains de mes élèves qui regardent les vidéos, donc je suis sûre que quand je vais les porter, on me dit oh madame, j'avais vu ça dans votre vidéo. Bref, du coup j'ai ce petit sous-pull beige donc en taille L parce qu'il est assez moulant et franchement il est très près du corps donc le L il est très bien comme ça je suis bien dedans et je me dis que même en dessous d'une robe ou en dessous d'un pull cet hiver ça sera pas mal donc ça c'est pour le beige et j'ai pris le même en marron enfin un peu chocolat je préfère même limite celui-là enfin après j'aime bien les deux mais j'adore ça faisait trop couleur d'automne hein. Franchement les deux c'est clairement les deux couleurs d'automne phare, mes deux couleurs incroyables pour l'automne. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Je vous montre pas porté parce que clairement, franchement, voilà, c'est pas non plus. Enfin, c'est des sous-pulls quoi, tout simple. Donc voilà. Ma mère, elle en a pris aussi. Elle a pris un blanc, un marron et un vert. Et dernier article que j'ai pris, celui-là en taille M, c'est un petit pull, trop mignon comme ça. Un petit pull en laine. Ouh là, il y a un petit bout. Ouais, il y a une petite étiquette qui s'était glissée dessus. Hop là, donc c'est un petit pull en laine, il est assez court, donc il est couleur marron, il est un peu beige, hein. Il est entre le marron et le beige. Alors il est assez court, si je vous... Non, vous n'allez pas le voir, mais en fait il arrive juste au-dessus du nombril, et je l'ai pris pas pour mettre comme ça, hein, bien évidemment, mais je l'ai pris pour mettre au-dessus d'une chemise, vous savez, la mode qu'il y a déjà depuis quelques années, que je n'avais pas encore faite. J'ai décidé du coup de porter ça par-dessus une chemise, donc j'ai hâte de trouver la chemise en question, mais sinon j'en ai déjà une, je pense qu'il pourra bien se marier avec. Donc voilà, le petit pull très mignon, taille M, il est plutôt bien. Je pense que j'aurais pu prendre S pour faire encore plus cintré, mais le M il est bien, comme ça je suis sûre que la chemise passera en dessous. La matière elle est assez extensible, mais ça a l'air assez quali, ça gratte pas du tout, je l'ai porté comme ça, et voilà. J'aime bien en plus la maille, elle est plutôt mignonne, elle est quand même pas mal terminée, hein. Après c'est pas non plus la maille la plus resserrée du monde, mais j'aime bien. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je pensais pas que cette vidéo serait aussi longue, donc j'espère que ça vous aura plu. Je suis très contente de vous avoir filmé un haul, ça m'a fait trop plaisir, ça faisait vraiment longtemps que je vous avais pas montré un haul comme ça. Mais là, je me suis dit qu'il y avait de quoi vous montrer, donc je suis très 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 contente de vous avoir montré tout ça. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelles sont les dernières choses que vous avez achetées dans votre entourage, que ce soit à Noz, à Action et tout, vos dernières petites pépites, vos dernières petites trouvailles. Je suis un peu friande hein, de tout ça, donc des bons plans et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je vous ai montrées qui vous font envie, peut-être dans les décos Noël, dans les choses chez Sephora, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous attends avec grand plaisir, avec impatience dans les commentaires. Vous savez que j'adore parler avec vous dans les commentaires, donc voilà. Si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, ça me ferait grandement plaisir. D'ailleurs, j'ai pas mis la Lightbox à jour, mais nous sommes à 2532 je crois, donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça mange pas de pain, enfin voilà, ça fait toujours plaisir, et je vous invite aussi à liker la vidéo, ça aussi ça fait plaisir, et n'hésitez pas à la partager, pourquoi pas, et sur ce, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao, bisous!